Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Banishers Ghost of New Eden. Lors du dernier épisode, on était arrivé dans ces petits marais dégueulasses. Et surtout, on avait trouvé comment faire exploser les objets, les murs destructibles avec Antea. Et vous vous souvenez des petites boules blanches là dans les lierres, je disais que c'était une sorte de grappin. Eh bien non, il faut juste tirer dessus au fusil. Voilà. Couvert ça à l'arrache. Chose de caché. Et où? Ah, on peut monter. D'accord. Ah bah oui, pour aller voir le fantôme qui était là-haut. Et les objets. Alors, on m'indique qu'il y a quelque chose de planqué avec Antea, mais je le vois pas. Enfin, je vois le petit laser vert, hein, mais... Tête en bas. Il est pas dans la maison. Non, non, il est pas dans la maison, non. Absolument pas. Ok, très bien. En avant, hein. En avant, en avant. Là-bas. Il y a un truc à ramasser. Oui, et ça, c'est aussi un grand saut, c'est ça? Oui, voilà. C'est pour ça que je dis, on va peut-être avoir un grand saut après. Parce que... Pareil pour le coffre rouge, là. Demande de nouvelles mécaniques au fur et à mesure du jeu. Mais c'est normal. Attendez. Par là. Par là, c'est la suite du niveau. Et donc là, ouais. Ah si, je peux aller là. Attendez. Là, je ne peux pas y aller. Très bien. Ok. C'est comme tomber d'un tronc après avoir été effrayé par un feu follet à Akershus. Tu vas me le rappeler encore combien de fois? Ah, je ne peux pas y aller encore. Pour aller là, là. Hein. Bien. Ça, ok. Le brouillard, la boue et la misère. Ça me rappelle la Hongrie en 86. Pas la meilleure période de la chrétienté, ni la mienne. Tu étais différent à l'époque. Vraiment. T'en arrives où là? Je reviens sur mes pas là. Oui. Ok. Oui, là je dois faire exploser ça, puis aller par là. Il y aura certainement un combat. Est-il? Oui, c'est le truc en bas. Qu'est-ce que je disais? Dégage de là, dépêche-toi! Les morts sont agités et en colère. Quelque chose les entrave. Quelque chose de cruel. Alors, c'est l'œuvre d'une sorcière. Ça peut être chercheuse? Je n'en suis pas certaine.
Faisons attention. Ah, le... Je sais pas si les feux follets, là, ils sont gentils, ils sont noirs. Rien contre les noirs, hein, mais c'est pas la même couleur que d'habitude. S'il vous plaît, calmez-vous. Ok. Alors on peut pas les tuer de là. Hein. On a déjà essayé ce truc. Oh. Une rune. Ah oui, mais les runes, on pourra certainement qu'après la sorcière. Ils vont certainement apprendre en théâtre à faire des trucs. Je distingue pas mon coude de mon cul. Il y a quelque chose qui cloche. Le voile est fin ici. Et les morts nombreux. Non, mais j'ai vu le raccourci. Mais je peux pas sortir mon fusil, il veut pas le jeu. Oui, là je vais trouver mon chemin et tomber sur les sorcières qui vont lever le voile. Voilà, lever le brouillard certainement. T'as senti ça? C'est tout proche. Je distingue pas mon coude de mon cul. Tu pourrais t'occuper de cette porte? Non, impossible de la casser. Dans ce cas, trouvons autre chose. Oula. Ok, il y a un feu là-dedans. Oula. J'ai des ralentissements ici, je sais pas pourquoi. Est-ce que ce serait à cause du brouillard? C'est pour repartir. Il y a quelque chose par ici. C'est caché. C'est là. Des flèches. Des tribus locales. Ce que les envahisseurs en ont laissé. Il me dit d'enquêter ici. Marrant. On y voit comme à travers une pelle ici. Il y a bien trop de brouillard pour mes yeux. Suis-moi. Trouver un moyen d'entrer dans le fort. Donc le moyen est forcément ici, parce que le... Oui, il faut voir ses yeux. Hein. Des fois, il faut ouvrir ses yeux. Là, je peux monter sur cette tour. Là, c'est pour repartir, et là, je peux y aller, là, non. D'accord, donc je dois monter sur cette tour. Enfin, cette tour, vous m'avez compris. Si tu as besoin d'une pause, on peut s'arrêter ici. Ok, oui, oui, je vais l'allumer. Je vais d'abord récupérer... Croquis de la cage des marais. Qu'est-il ? Et surtout, on peut améliorer des armes. Alors, la question est... Ça, c'est quoi? Libération d'esprit. Ah oui, non, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Le gros mort.
La question est, est-ce que je retourne ici? Parce que là, on a un nouveau cas de hantise qu'on peut faire. Et là, on n'a pas exploré par là. Et par exemple, ici, là, on a un mur à casser avec un TP pas loin. Avec des trucs encore à choper. Moi, je pense qu'on va revenir un peu en arrière. Et on pourra peut-être acheter des armes et des armures. Ouais, on va faire ça. Allez, c'est parti. Ah non, c'est vrai, je dois me reposer et me TP. C'est vrai. On va faire un peu de machine arrière. Alors, bah oui. Plus de dégâts, plus de colère et plus de vitalité. Très bien. Et ah yes, les soins en plus. Plus de vie récupérée, plus de récupération d'esprit. Ah non, j'en ai pas une quatrième. Mince. Dommage. Voyage rapide qui fait un repos, hein. Ils nous l'ont dit ça. Camp des chasseurs. Haute caverne. Ah oui, ah, j'aime pas leur... On n'avait pas encore vu ce... Ah si, c'est bon, on peut zoomer. D'accord, ok. Parce qu'on était dézoomé comme ça. D'accord, ok, ok. Oui, le fait de... Oui, hein, parce que sinon, je croyais que c'était la seule vue, et comme on voit pas les murs destructibles et tout, alors que c'est ce qu'on cherche nous. Ça aurait été un peu chiant. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Oh, très belle artwork. J'aime beaucoup. Oh non. Alors, je vais juste faire... Si tu veux bien... Mettre ça en surbrillance, s'il te plaît. Voilà. Comme ça, le jeu me le montre. Bonjour. Ça marche pas. C'est terminé. Oh, bien vu l'aveugle. Moi aussi je veux m'amuser. Hé, tu veux pas que je t'aide? Dégage. Par là. Ça fait du bien de raffronter des gens niveau 8. Mais attends, mais je suis en train de réfléchir à un truc. Refaire, se reposer, ça fait repop les ressources. Donc tu peux farmer comme un porc et revendre tout ça à des gens. Attends, mais c'est par où ton truc? C'est derrière ça? Je me souviens plus moi. Hein. Ouais, il faut monter là pour aller là-bas. Ok. Là. C'est parti. Et là-haut, il y a le lierre. Non. Allez, explorons ça. Donc là, on peut tomber sur des monstres niveau 12-13. Hein. Parce que c'est là où c'est le niveau où on est. Ce serait logique. Waouh. On peut descendre là, mais on pourra pas remonter, c'est ça?
Y a l'air, hein. Quand même vérifier. Il y a l'air qu'on peut pas remonter. On ne puisse pas remonter, pardon. Bah ici c'est sûr. Alors, on peut aller par là. Tu vois un moyen d'entrer dans le phare? Oui. Ça me préoccupe énormément en ce moment. Oh yeah! Nice coffre! Ok. Ah bah on peut faire le tour. Ah bah si on pouvait remonter justement là. Quelque chose dans quoi? Mais où exactement? Bah juste là, écoute. Ok. Là, je peux attacher la corde. C'est un boss. Hein. C'est un boss optionnel pour moi. Ah, mais on peut aller au niveau de l'arbre. D'accord. On va y aller. Et je vois pas où je peux faire le... Ouais, c'est certainement en bas et ça, ça doit certainement être la... entre guillemets, la récompense. Je vois rien. Par là. Ça doit être la récompense pour moi. Descendons, allons faire le boss qui est en bas. Enfin, le défi. Activité spectrale infinie. Vous avez trouvé un foyer d'activité spectrale infinie. Ce type de foyer peut être affronté à répétition, son intensité augmentera. Vous pouvez identifier un foyer d'activité spectrale infinie grâce à leur lueur rougeâtre. C'est-à-dire... Il y a un spectre enragé dans le coin. On ferait bien de l'invoquer. C'est-à-dire, c'est quoi la récompense? Révélez-vous. Je n'aurais pas utilisé ce rituel, moi. Bah. Ah, c'est forcément un champ d'écoute? C'est pas un fléau, si? Ah, si. Je vous invoque maintenant! Je suis là, tu sais. Ok. Oh ! D'accord. Hein ? Ça invoque des saloperies. D'accord. Ok. Oh!
peux participer aussi. Ok, c'est tous les dégâts faits avec Antea, y compris ceux-là. Fais appel à moi. Ok, ah oui, non mais ça invoque beaucoup de gens. Je peux participer aussi ? T'arrives pas à la suivre ? Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle m'a pas touché là, si ? Je commence à avoir du monde. Cible un peu trop facile. T'es à portée de tir, Raid. Qui m'a touché là ? Je vois rien. Moi aussi, je veux m'amuser. Ah, lui, il jette des trucs. Tu ne devrais pas rester là. T'arrives pas à suivre ? Je fais possible. Il meurt pas. Arrête de cibler. Qui c'est qui veut avoir des gratouilles ? Petit souvenir des Highlands. Ok. Elle a pas fait Elle a pas fait. Je sais pas pourquoi des fois elle fait pas ces trucs.
C'est-à-dire ça? Ouais, donc là je peux refaire, ok. Pas facile du tout. Toujours aussi impressionnant. Ok, pour un peu de cuir. Ok. Mais donc le truc de l'arbre. Il y avait une corde dans le temps, là. Mais donc le truc de l'arbre. C'était juste pour avoir le coffre ? Oui, bon. Okay. Donc on peut faire à chaque fois. Ok. Qu'est-ce que je disais, hein ? Ce sera des bonus. De toute façon, je pense que ce sera beaucoup de bonus de cet ordre-là. Moi, bon, ça c'est fait. On a eu quelques coffres quand même. Donc c'était pas dégueu. Voilà, la musique qui s'arrête. Net. C'est un peu... Ça fait un peu bizarre. Comment on venait déjà? Ah bah! Déjà. Y'a ça. Ah bah il part là. Voilà. Déjà. On a eu une nouvelle accrétion du fléau, ce qui nous permettait d'améliorer une nouvelle arme, je crois. Enfin, une arme. Ok. Le feu est là. Hop, on retourne là. Oh. Vite, sors de là. Oui, pas de soucis. Ok. Hop là, et on va retourner au village. Ah, évolution, bah oui. Le village, il est là. Oui. Après, ils ont des super artworks quand même. Oh non. Il y a des rats. C'est ça un travail, esclave. Bonjour à vous.
C'est un peu tard. Vous avez des choses intéressantes à vendre? À vous de juger. Tout de suite négatif, je vois pas pourquoi. Hein. Ah ah, on peut lui acheter des choses. C'est vrai qu'on m'a dit, vends des choses pour... Regardez, ça se vend pas cher. Pourquoi je lui vendrais des choses? Il a qu'à y aller lui-même. Ah, ça nous dit où est-ce qu'on peut... Région des Herse. Où c'est? Dans la région des bois. Champignons, sabots. Ouais, ça, je veux bien t'en vendre un petit peu, mais regardez, si je lui vends tout, j'ai que 200 balles. Après, 200 balles, ça me permet de lui acheter et la broche et la tenue. Plus la jauge de vie est remplie, plus les dégâts subis sont réduits. Infliger des attaques lourdes, restaure ouais, du vol de vie, un petit peu. Ah mais ils vendent des choses. Ça coûte 400 et 500, il manque 900, il manquerait 600 balles. J'ai jamais 600 balles avec tout ça. Hein. J'ai 300 balles là, mais... Après, je peux plus faire de rituel, quoi. Après, je veux bien t'en vendre un petit peu, mec, mais... Je t'en vends 200. Voilà. Ça me fait 500 balles. Peut-être lui en vendre une cinquantaine. 60 ? Allez, 60. Je suis gentil avec toi. Peut-être vendre un peu de cuir, allez. Ah, j'ai vendu du matos. Allez. Ah, mais on peut les racheter. Bon, il te les revend beaucoup plus cher, cependant. Ah, j'ai envie de... Attendez, on va faire un truc. J'ai presque envie d'arrêter le jeu, de le relancer pour voir s'il les a encore. Si le jeu s'en souvient. Je vais vous laisser. Bien. Ok. Et l'autre, il avait des choses à vendre aussi. Hein. Mais je sais plus quoi. Il avait de l'équipement à vendre aussi, lui. Il est où? Il est là-haut. Je serais ravi d'aider, mais après des années de commerce, et bien que mon esprit soit affûté, mon corps me trahit. Oui, j'ai acheté et vendu de tout. Fourrures, bijoux, tabac, vin, poisson, volaille, sucre et épices, maïs et avec la poule aux œufs d'or. J'imagine que vous n'avez pas de clous. Cela n'en valent pas un. Désolé, Daniel, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Mais je vous assure que j'ai bien pris note de votre demande. Et quand New Eden s'ouvrira au monde à nouveau, je m'attellerai à répondre à vos besoins. Vous aurez alors les meilleurs clous de tout Boston. Le forgeron pourra râler ou alors il n'aura qu'à faire de meilleurs clous. Ainsi va le monde. Un bel avenir nous attend, Daniel. J'ai hâte d'y être, Monsieur Paris. Mais pour que ce soit même possible, il me faut des bons clous, maintenant. Bonjour à vous, Squire Paris. Merci, mais non, monsieur. Ce jour n'a rien de bon. Attends, je vais regarder si je peux pas t'acheter des choses. À vendre. Vous trouverez votre bonheur, c'est sûr. Alors, il vend quoi, lui, déjà? Ah, il vend que des matériaux, ok. Il vend pas de... Ah, je lui vends les trucs le même prix. Mais je peux pas lui vendre la fourrure. Ah non, c'est deux, ça.
Ah, suivant le marchand. Ah bah oui, parce qu'il est neutre, donc il me les achète plus mieux. Hein ? J'aurais dû vendre à lui. Merde ! Je vous souhaite une bonne journée. Fin du let's play, on a tout perdu. Non, c'est l'heure du suicide. Alors, c'était une blague. Calmez-vous. Alors. Et il y avait un cas de hantise ici. On va faire ça. Alors, ça donne quoi au niveau de l'inventaire ? Je peux pas améliorer là. Bien sûr que si. Alors, plus de résistance physique, plus de vitalité. Bah de toute façon on a chopé une accrétion de fléau donc on va l'améliorer. Et la tenue du tireur, non. On peut l'améliorer là. Allez, fragment d'âme, ouais bah vas-y. Voilà, il n'y a rien d'autre qu'on peut améliorer, t'es sûr ? Ça, je viens de les améliorer. Ça, alors voilà, ça j'ai ça maintenant. Donc, ok. Alors, juste regarder un truc. Ça augmente ma force, ça descend ma dextérité. Récupération de vie 100, 110, 55, 55. Ouais. Et la dextérité, c'est les dégâts au fusil. Hein. Mmh. Ok. Ah mais je peux améliorer ça. Ça augmente la colère. La colère c'est quoi? Les dégâts des manifestations. Ouais. Donc tout ce qui est explosion et tout. La broche j'ai ça. Alors on va l'améliorer également. Voilà. Dégâts des manifestations, durée d'altération. Avec un ennemi avec une manifestation, ok. Ouais, donc ça c'est pour faire des proutes. Ça diminue son attaque au point, mais on pourrait récupérer et faire des. Ouais, non, je vais prendre ça. Parce que avec ses proutes, elle fera plus de dégâts. Et on peut faire une petite évolution. Donc ça. Bannir un ennemi restaure 20% de vie, mais réduit de 25% le gain de bannissement. Coup mortel. Passer en TA juste après avoir frappé un ennemi avec la crosse du fusil. On fait comment pour frapper avec la crosse du fusil? On sait rien. Parce que la jauge d'esprit est pleine, les attaques de raid réduisent de 15% le temps de rechargement de manifestation. Plus la jauge de points de vie de l'ennemi est remplie, plus les dégâts de bannissement sont augmentés. Ouais. Prenons ça. Allez. Tac. J'ai oublié d'aller faire ça. Et là-bas, j'ai deux murs destructibles à faire. Niveau de la cascade. Allons faire la cascade. On fera le cas de hantise lors d'un prochain épisode. Tant qu'on est sur le backtracking, autant le faire. Hein. De toute façon. La cascade. Alors, on aime ou on n'aime pas la boussole. Le fait que les objets se mettent vraiment dans la direction où tu dois aller, c'est quand même bien. Alors après on aime ou on aime pas. Hein. Mais c'est vrai que quand tu cherches... Change de cible.
Celui-là est protégé par le voile. Moi aussi, je veux m'amuser. Ah oui, 2 minutes. C'est vrai que Gan, là, je fais du backtracking. C'est vrai que c'est quand même vachement confort. Hein. C'est d'habitude, c'est juste posé sur un coin de la map et tu dois chercher. Là, c'est quand même vachement confort le fait d'avoir le truc qui se déplace entre guillemets en même temps que toi. Alors. Ah, un truc infini aussi ou quoi? Alors ce sera des coffres. On doit pas encore avoir le truc pour les arbres. Parce que regardez, il y a le même truc ici. Et j'ai pas la manifestation pour ça. Même truc que dans la grotte infinie. Donc je dois pas encore avoir ce qu'il faut. Très bien. Le double backtracking, on adore ça. Merci. Donc la relation avec les gens influe sur le commerce. Donc le seul à qui on vendra, ce sera le mec au chapeau. Parce que c'est le seul qu'on va pas trahir. Pas trahir entre guillemets. Oui, ça je peux pas le casser. Bonjour. Je peux t'aider. Oui! Des trucs à collecter. Ok. Je sais pas pourquoi je me trompe toujours de touche pour aller sur la carte. Alors, les murs ils sont pétés. Le bivouac de Kate. Bon, on va aller vers le... Allez. On va continuer un peu l'histoire du jeu. Voilà, je décide. Oui, je viens de dire que comme on était dans le backtracking, il fallait en faire, mais j'ai envie de continuer l'histoire. Est-ce que je vous ai dit que j'aimais pas les backtracking et toutes ces conneries? Je sais plus si je l'ai dit, hein, mais je déteste ça. Enfin, je déteste ça, oui et non. J'adore les Metroidvania, mais dans les Metroidvania, c'est intégré au jeu directement. Là, c'est de la durée de vie artificielle, comme je le disais. Alors, je vais par là, je sais pas du tout si c'est par là. Hein. Mais est-ce que mon sens de l'orientation va me tromper? Non. Merci à lui. Oh, mais j'avais pas vu ça! Il est ouvert. Alors sachez qu'en vrai, dans la vérité, in the real life, j'ai un très très bon sens de l'orientation. Mais dans les jeux, j'en ai beaucoup moins. Parce que les jeux, c'est pas la réalité. Donc il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas ressentir, que tu ressens en vrai. Au niveau de l'orientation. L'orientation ne se fait pas qu'avec vos yeux. Pour ceux qui en ont déjà fait. Et le voyage rapide vers le fort. En tout cas, on voit que d'un coup, c'est plus dégueulasse. Hein. Là, on est sur du beau vert et là, on est sur du marron dégueulasse. Mais je suis quasi sûr
que dans le jeu, si on veut tout débloquer, tous les niveaux max et tout, on va devoir farmer un petit peu. J'en suis convaincu. Alors, là, il y a une porte qu'on peut ouvrir. Est-ce qu'elle va s'ouvrir? Ah non, c'est de l'autre côté. Fermé. Tu peux trouver comment contourner la porte. La voilà. Regardez. Comme ça que j'ai su. Alors. Donc, on va faire le tour et revenir derrière. Là, on peut descendre. Ah ben, on va activer ça pour avoir la porte ouverte. Et il y aura un combat. C'est verrouillé aussi. Oui. Bon. La porte est bloquée de l'autre côté. C'est forcément un combat. C'est parti. Non ? Pas de combat ? Ok, la porte est ouverte. Je savais bien qu'il allait avoir un combat. Ils ont amené des amis. Ok. Attention, j'en vois un autre. Allez, ça dégage. Ok. Ouais. Allez, dans le bâtiment, on peut pas essayer de choper un angle chaloupé. Non. Je peux pas essayer là? Non, vraiment pas, hein. Y a pas d'angle un peu biscornu où on pourrait avoir... Ok, il y a un truc à faire à l'intérieur de cette maison. Ben, comment on y rentre? Par le toit. J'ai l'impression que c'est par le toit qu'on y rentre. Ah mais j'avais pas vu ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un esprit malveillant plane ici, comme celui qu'on a trouvé plus tôt. Une malédiction ou un sort. Peut-être que chercheuse pourra nous aider. De toute façon, pour moi, c'est elles qui ont mis le brouillard en place. Comme toujours, non ? Je vais la tuer ! Je prendrai sa tête ! Et je boirai son sang ! Merde, c'est chercheuse ! La sorcière ! Ok. Qu'est-ce qui se passe? Eh, bannisseur, par ici. T'as l'air fatigué, grand-mère. Ah, la bannisseuse qui est morte pour son apprenti. Ah, l'apprenti de la sorcière. Salut, Antea.
Surprise de me voir ? Tu n'es pas surprise de me voir ? Tu es en avance, mais non, je ne suis pas surprise. Je suis désolée. À mon retour, Ciridian m'a dit que notre pauvre petit bannisseur reviendrait hanté. Un bannisseur hanté, c'est plutôt cocasse, non ? C'était quoi cette chose que tu as combattue ? Cette chose ? Oh, lui, une vraie plaie, voilà ce qu'il est. Et tu es gravement blessée ? C'est pas la première fois que je l'affronte. Quelques minutes de calme et je serai de nouveau sur pied. Ciridian savait pour le fantôme d'Antea. Évidemment. Il est un peu lent, non ? Si elle savait qu'Antea était là, pourquoi elle ne t'a pas dit de me le dire ? D'accord. Ciridian nous a caché cette information pour une bonne raison. Mieux vaut faire confiance à son plan. La mort fait partie de la vie, bannisseur. Tu le sais mieux que quiconque. Elle ne voulait peut-être pas encore te briser le cœur. Tu t'es bien occupé de lui. Merci. Je suis une bonne apprentie. Je fais ce qu'on me dit. On peut t'aider ? Ça ne va pas fort, on dirait. On peut t'aider ? Oui, merci de demander. Certains de mes chasse-esprits se sont éteints. Alors Olsol a franchi l'ourlet. L'ourlet ? Oui, là où le tissu du monde des vivants rencontre celui des morts. Ah, le voile entre le visible et l'invisible. Si tu préfères, bannisseuse. Repose-toi et soigne-toi. Dis-nous comment réparer les chasse-esprits. Le sort a déjà été lancé. Il suffit de les allumer. Faites attention. Cette vieille tête de mousse n'a pas pu aller bien loin. Je vais me reposer un peu. Bonne chance et amusez-vous bien. Ok. Pourquoi il y a un oiseau dessus ? Alors, c'est quoi la suite ? On allume les chasse-esprits avec une pierre à feu. Enfin, j'imagine. Comme la famille ? Il y a surtout un coffre. Des trucs à prendre. Bon, c'est ça évidemment. Ah non. Le soldat. J'ai les détails. Quoi ? Tranche statuette en bois, oui. Là, c'est pour me ramener où ? Hello ! Voilà. Quelque chose dans le coin. Mais où exactement ? Là. Octobre. 7 blessés, 7 morts, 5 blessés. La victoire a coûté cher, nous sommes faibles et manquons de provisions. Sans ravitaillement, nous sommes perdus. 7 novembre, 1 mort, 5 blessés, 3 mourants. Nous sommes malades, un mal mystérieux frappe le fort. Les hommes sont fiévreux et couverts de furoncles. Miam, nous pourrissons. 9 novembre, le fort est perdu, nous devons battre en retraite. Nous allons rallier la côte, puis New Eden.
22 novembre, c'est étrange d'être seul, entouré par les morts et le fort en ruine. Mes symptômes sont apparus il y a 2 jours, je suis trop faible pour marcher, la terre pourrie et nous avec. Mmh. D'accord. Ça a l'air sympa. Il y a un passage. Je peux m'en charger. Les doigts dans le nez. Et les bonnes manières alors. Ok. Ah, c'est encore derrière un truc. Mais ça, on peut pas le casser. Ok, ça va être là. Bon, en bas, il y en avait un. Faut que je trouve ça ressemble. J'ai pas vu ça. Merci. Vous serez les prochains. Non. Ah, il est peut-être juste au-dessus là. Je sais pas, apparemment ce serait vraiment là, mais je vois rien. Pardon. Ouais, si, ça doit être là au-dessus, ok. Bah écoutez, on fera cette recherche lors d'un prochain épisode. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.